Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon 2.1, sans doute le dernier épisode parce que de toute façon demain la 2.2 sort. Je ne sais pas à quel moment elle sortira pour nous, donc soit c'est le dernier épisode de la 2.1, soit il y en aura un autre demain. Donc ce qui veut dire pour vous dans deux, ou enfin dans quelques jours pour vous en tout cas, voilà. Il y a un décalage de 2 jours, vous savez, entre chaque épisode. Du coup, soit dans le premier épisode, soit l'épisode d'après, vous aurez de la 2.2. Voilà. Pour ce qui est de Sotis, beaucoup d'entre vous ont pu me confirmer le fait que l'émission, par exemple, à 6 ou 7 objets qui rapportent plusieurs millions ont complètement disparu. Donc le grind de Sotis en fait est moins rentable maintenant. Nous allons quand même essayer de dépasser la barre des 100 millions de crédits dans cet épisode, en espérant que ce soit le dernier de la 2.1. Comme ça, ce sera un petit épisode un petit peu plus, fun, entre guillemets, un peu plus célébratif. Je sais pas comment on peut dire ça. Enfin, je sais pas si ça se dit célébratif. Je pense pas, hein. Non, ça se dit pas. Attendez. Qui est à célébrer. Bref, on verra bien tout à l'heure. Je vous invite tous, chers amis, si vous le souhaitez, en tout cas un bon nombre d'entre vous, à m'inviter directement dans vos groupes privés. Moi, ça me permet de gagner du temps au niveau de mes recherches. Simplement, je cherche en plus de groupes privés. Ce qui permet en fait simplement d'avoir plus de missions disponibles, ce qui permet de gagner du temps. Bon, c'est dommage que ce soit à la fin du grind que je m'en rends compte, mais encore une fois, merci à ceux qui l'ont fait. Comme ça, vous avez votre nom qui apparaît dans l'épisode aussi au passage. C'est cool. Hop, alors. Bon bah, je trouve pas qu'il est à célébrer. Hein. Bref, vous avez compris le principe. S'il y a plus de missions de transport, vous me le dites, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Ça fait 2 trucs que je fais, j'en vois pas une seule. Ok. Moi qui voulais justement voir avec de l'or, pour rajouter avec de l'or dans le cargo, mais c'est pas obligatoire. Hein. Link 1804, hop. Merci à toi de m'avoir ajouté. J'ai bon, un coup, je suis désolé, j'ai tourné quand même un petit peu de vidéo ce matin. Enfin, c'était ce matin, mais j'ai pas trop bu ce midi. Je leur dure pas. Bref, je suis un gros dégueulasse. Bientôt la cam, hein. La cam est commandée, elle arrive normalement demain aussi. Donc je sais pas comment je vais apporter ça sur la chaîne. Peut-être que je l'apporte directement pour une nouvelle série, je verrai. Ah, et qu'est-ce qui se passe au niveau des missions? Au niveau de la cartographie, j'ai pas de... Non. Ok, tant pis. Alors c'est bien d'avoir plusieurs sessions, mais si en plus le jeu ne pompe plus les missions comme il faut, je vais me retrouver... À avoir l'air con une fois de plus, parce que j'aurais prédit qu'on aurait plus de 100 millions à la fin de cet épisode, et finalement... Allez. Allez, Nico. Pends-nous des missions. Ah. Bon, 10 unités de vieux déchets, hop. Ça fait 3 millions. Il nous faudrait pas un minimum, il nous faudrait 5 millions. Allez. C'est vraiment le minimum. Hein. On va aller voir en jeu ouvert. Le must, ce serait d'avoir suffisamment de groupes ouverts pour pouvoir en fait passer 10 minutes à faire le tour. Comme ça, moi, je gagne du temps. En fait, j'enchaîne les différents tours à chaque fois, puis voilà. Je passe pas du temps à attendre. On verra. Hop. Par contre, du coup, on aura peut-être pas de beluga dès le début. Hein. Je veux pas mentir, mais là, pour le coup, ça va être un peu compliqué, suivant le prix et le prix du fitting. De toute façon, on va attendre un petit peu avant de le voir, on va voir les différents fittings qui vont se proposer et leurs tarifs. Et on verra s'il est valable ou pas de farmer un peu plus pour... Or, donc d'accord, ok. Alors, je peux pas en acheter. Il m'avait dit que je pouvais acheter de l'or. Ah, or cristallin de Sotis. Ouh, heureusement que j'ai ouvert EDDB. Cool. Par contre, ils en ont plus que 30. La vache. On vendrait ça au système.
J'ai 35-15. Alors attendez. J'ai 35-15. Station Yegolov. Ok. Je trouve pas le truc. Ah, il me met pas le. J'ai pas. Je peux pas en vendre là-bas. Ah, ça fait mal. Ça fait mal, annulé. Bon, on va refaire un tour. On va aller voir s'il y a pas un autre endroit pour une autre mission. Ok, bizarre. Désolé si je t'ai pris ta place, hein, bonhomme. Hop, solo en ligne, on va voir. Si ça se trouve, il y a de nouvelles quêtes qu'on pop. Je sais pas à quel moment entre les 10 minutes. Parce que apparemment c'est toutes les 10 minutes pile. Dès qu'il est par exemple 14h, 14h10, 14h20. Et forcément, je me suis fait avoir. Bien voir, on va bien voir. Plus quand même du cul, hein, je veux pas dire. Ah, attendez. Il y en a une là. Il me reste combien de place? Ok, c'est pas grave, ça vaut pas le coup. De mon point de vue, ça ne vaut pas le coup. Ça dépend, ça dépend, ça dépend, ça dépend. Et des têtes, Hermit Duck. Allons voir. Non, ça vaut pas le coup. Bon, bah, apparemment, il veut pas me prendre en compte les trucs particuliers comme ça. Bon, bah, on va se lancer un petit. Petite route. Hop. Apparemment, celle-ci est plus rapide. J'ai 35-15. Ah bah non, ce sera celle-là, enfin 440, 452, celle-là est plus rapide donc apparemment. Donc on va commencer par celle-ci. Hop, et des têtes, et on a dit Hermit Duck. C'est ça, hein. Hermit Duck, ce sera là. Ok. On y va, on y va. On a quand même 13 sauts à faire. Et normalement on dépassera les 100 millions. Et on sera rapproché du système en plus pour demain, donc ce serait cool. Donc ça veut dire que je vais pas faire le retour ce soir, je vais faire... faire demain, on verra bien. Si jamais c'est pas actif, tout dépend de l'heure à laquelle ils auront fait la mise à jour en fait. Finalement. Oula, 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 mon joystick qui veut plus. Oula là, je vais sortir de la porte, mais après faudra pas regarder. Vous risquez d'avoir envie de vomir d'ailleurs, les amis. Hop. Alors, le problème c'est que je suis en train de contrer, regardez, regardez, je vais le lâcher, vous allez comprendre pourquoi faut que je passe, je le lâche. Wouhou! Alors, viens par là. C'est bon. Ok, problème résolu. On y va! Train d'atterrissage, et on se barre. J'ai pas lancé vocal, bon. C'est comme ça. Pas envie de trop en fait. Je trouve qu'au final elle est pas si utile que ça, et pour d'autres raisons aussi qui arriveront potentiellement sur la chaîne assez rapidement. J'ai pas encore une nouvelle sur les modalités, excusez-moi. Mais il y aura l'unboxing et il y aura le. On aura peut-être plusieurs vidéos dans la journée, hein, pour pas tomber, c'est pas grave. Aussi, si vous avez des artistes d'event art français par exemple qui sont dispo pour des graphismes, pour des trucs quoi, je serais ravi d'en connaître quelques-uns si vous en connaissez vous-même. J'ai apporté quelques petits trucs. Et je n'ai pas le talent, le truc pour ça. Je n'ai pas le matériel non plus, hein. Pour être un véritable entre guillemets artiste sur
sur PC. Je pense que beaucoup d'entre nous seront d'accord, faudra avoir la tablette graphique et tout ça. Ça, ce sont des choses que je n'ai pas. La barbe qui me gratte. Donc pour la... Oui, la cam, je l'ai dit, elle est commandée. Hein. Je sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo-là ou dans la vidéo précédente. Donc oui, la cam est commandée, elle arrive demain. Bon, j'ai dû la dire dans cette vidéo. Ça. Je vais expliquer pourquoi le choix de la cam. Pourquoi le choix de cette cam-là. De toute façon, je vous l'expliquerai dès la première vidéo donc, que je ferai avec la cam. En quelque sorte, malgré le prix assez cher de cette cam, elle me fait faire des économies sur le reste. Donc c'est là que c'est intéressant. Je me renseigne toujours pour le serveur Starband, peut-être trouver une solution. Le problème c'est que j'aimerais rentrer en contact avec les gens, mais ils ne me répondent pas. Parce que je sais, apparemment sur leur page d'accueil, le jeu Starband n'est pas pris en charge. Mais de ce que j'en sais moi, normalement, ce type de serveur prend en charge n'importe quel jeu tant que l'architecture est bien faite dedans, quoi. Donc voilà, je ne sais pas trop, j'essaie de les rentrer en contact, ça fait deux fois que je leur envoie des mails. Bon, j'en ai envoyé un ce dimanche, j'en avais envoyé un mercredi dernier, mais je n'ai toujours pas de réponse. Je n'ai toujours pas de réponse, malheureusement. C'est comme ça. Comme j'aimerais avoir de réponse de personne. Je pense que la réponse de la part de Gameplay Pokémon par rapport à Dragon Ball Xenoverse. On va arriver assez rapidement, de toute façon. Hop. Ok. Donc, oui, bah, du coup, je vous passe pas le veuille parce que, comme je suis en train de parler, du coup, j'explique plein de choses. Et je vous passe pas trop le transport, je suis désolé, mais vraiment c'est normalement le dernier grind. Ok, bon, on y va. Checker mes mails en même temps pour voir si j'ai pas des nouvelles, mais non. Alors l'unboxing se fera potentiellement avec une autre caméra, forcément. J'espère que ça va passer. Il faudra vraiment que je vois comment je vais gérer cette histoire. Quoique non, bah non, j'ai pas fait, non, je raconte des conneries. Non, la caméra, j'ai pas fait l'unboxing de la caméra, par contre je vais faire l'unboxing du matériel. Donc, comment je peux trouver une autre caméra? Faudrait que j'achète deux fois la caméra en fait, une pour filmer l'opening l'unboxing de la cam et puis après la sortir. Non, c'est pas possible. Bon alors, voilà, merci. Ouais, donc il y aura ça, il y aura un autre unboxing derrière. Unboxing derrière, pardon, je vais arriver à le dire. Je parle un peu du nez aujourd'hui, je suis désolé. Voilà les nouveautés qui arriveront techniquement sur la chaîne assez rapidement. Ça c'est assez cool. Je pensais pas que ce genre de choses pouvait entre guillemets déjà arriver. Et véritablement, bah écoutez, c'est en train de se passer. C'est grâce à vous, donc encore une fois un grand merci. Hein. On va voir, je connais pas encore les modalités de tout ça finalement avec les gens avec qui j'ai pu en parler. Donc voilà. Hop. Par contre j'ai regardé deux trois trucs vite fait vis-à-vis de. La caméra en question et de ce qui est justement intéressant de mon point de vue, j'ai oublié de faire les trucs. Okay. Et on verra si c'est efficace ou pas, ce que vous en pensez vous ou pas. Frameshift drive charging. On verra bien. Quitte à ce que je mette juste un drap vert derrière pour bien délimiter mon corps, ce qui normalement est censé marcher correctement. Un drap vert, ce que j'appelle un drap vert, c'est un fond vert, hein, simplement. Un fond vert en fait, à la base c'est juste un tissu. Précise pour ceux qui ne le savent pas. Donc voilà. Un fond vert, le tissu vert, à part. En fait, vous avez plus cher de comment de pied, si je puis dire, vous savez, de comment de système de maintien que de tissu finalement. Après, c'est l'éclairage qui fera tout et tout ça. Mais normalement, la cam niveau éclairage, elle gère la fougère. C'est pour ça, vous voyez, j'ai vraiment étudié le truc pour que la cam soit vraiment. Vraiment de bonne qualité, sans pour autant mettre le prix d'une caméra de professionnelle. Là, ce sera vraiment une webcam de qualité et pas une caméra professionnelle. Mais bon, vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. J'en parle avant, mais
Apparemment plusieurs d'entre vous ça va vous choquer apparemment de me voir. Bah écoutez, pourquoi pas. Je suis pas le plus beau du monde, mais j'ai pas honte de qui je suis. C'est juste que j'avais un problème de matériel quoi, finalement. Parce que j'avais. Moi j'ai la seule webcam que j'utilise en dehors, chers amis, c'est la webcam de la Xbox 360 à l'époque qui était sortie pour la Xbox. Et oui, bah, j'y avais essayé il y a longtemps, hein, mais c'était très très moche. Hein, même en réduisant la taille de la caméra, parce que du coup là c'est pas du plein écran que je ferai en caméra. Hein, c'est... Oh, quoi, enfin, je sais pas, on verra. Mais sur le principe, c'était pas top. même en réduisant la taille de la caméra, c'était vraiment pas top. Donc on verra. Hop. Parfait. Ouais. Il doit nous rester quoi ? 8 sauts là ? Entre 8 et 6 sauts, je dirais. Saut 6, saut 8, saut 7, saut 5, saut 4, saut 3. So good ! Comme ils disent aussi. Mais bon. Ouais. Plein de choses qui arrivent. C'est vraiment. Je suis un petit peu dans un état végétatif parce que franchement, c'est quelque chose que je pouvais pas. Enfin. J'ai été contacté par la boîte pour une raison tierce. Et moi je les ai recontactés derrière pour les remercier et pour parler vite fait de la chaîne. Et du coup bah eux ils m'ont dit bah écoute si tu veux claque quoi. On peut se faire un truc. Écoute pourquoi pas. Moi j'ai un peu halluciné mais pourquoi pas. Donc comme quoi vous voyez des fois. N'hésitez pas à faire les démarches, même si c'est une simple démarche de remerciement. Des fois ça peut créer quelque chose. Oh là là, ça me fait rire. Excusez-moi, parce que moi je sais du coup. Oula, merci. Hop. Bah vous aussi, je sais pas. Oh, je sais plus si vous savez, je sais plus si vous en avez parlé ou pas. Parce que pendant un moment, j'ai eu l'intention de ne pas vous le dire avant le moment. Etc. Donc bon, j'en ai parlé en live. Alors je préviens aussi que je fais des lives maintenant le week-end. En tout cas, ça s'est passé le week-end dernier. J'ai fait 4 lives dans le week-end, donc c'est quand même pas mal. Ce que j'essaie de faire en fait, c'est que je tourne en semaine suffisamment pour être tranquille entre guillemets le week-end. Et si j'ai du temps le week-end, j'essaie de faire du live. Voilà, ça tout. Et l'avantage aussi, c'est que ça permet par exemple le dimanche après-midi, en début d'après-midi, de tourner vite fait 2 vidéos. Et de pouvoir profiter d'un petit peu d'une petite avance le lundi, etc., etc. Là vous voyez, même ce matin, on m'a proposé de faire du Overwatch. En fait, je suis pas censé tourner du Overwatch aujourd'hui. Mais je l'ai tourné avec 2 personnes, c'était sympa. Et voilà quoi, je me suis avancé encore une fois pour demain. Donc vous voyez, c'est pour l'instant là au niveau du rythme, ça passe. Ça passe mieux qu'avant. Hop. 45. Crac. Et non. On va aller se recharger un petit coup parce que là je parle et je fais pas gaffe à mon carburant. Et j'ai pas envie de le payer. Enfin de le payer d'une panne. L'acheter c'est pas un problème, mais le payer d'une panne c'est problématique. Hop. Alors, allons-y. Hop. Donc voilà toutes les nouveautés qui vont arriver sur la chaîne. Du facecam, des openings, des reviews de tests matériels. Donc voilà, ça va changer un petit peu. Hein. Alors, il va falloir que je trouve une zone de tournage, entre guillemets, ou alors de quoi facilement poser ça sans que ce soit véritablement en contraste avec autre chose. Peut-être tout simplement encore une fois, cette fois-ci un drap blanc ou n'importe quoi, quelque chose que je puisse mettre sur une table qui puisse être véritablement neutre, si je puis dire. Mais bon, on verra. Je vais me renseigner, je vais regarder quelques vidéos de review. On verra. Du coup, vous allez voir mon setup qui est complètement. Enfin, je sais pas si vous allez voir mon show, je sais pas. Ça dépendra de comment je vais placer la cam. Tant que je l'ai pas, je peux pas vous dire exactement comment ce sera. Mais bon. Il y aura le micro en face de moi, le gros casque sur la tête, ma mèche rouge. De quoi voir des choses à l'écran, quoi, simplement. Et j'espère que ça passera correctement. S'il faut que je remodifie l'éclairage, je sais pas. Je sais plus ou moins quoi faire, c'est ça qui est bon signe. En tout cas, je serais ravi d'avoir vos retours, chers amis. Ça va faire quelque chose, ça va changer un petit peu, ça va montrer une évolution de la chaîne, je pense. Et bon, en espérant que ça plaise à un maximum de gens et que ça en attire d'autres, pourquoi pas. Qu'on puisse faire grossir la communauté et continuer à améliorer ce que je peux faire pour vous, simplement.
qu'on ait de plus en plus d'idées, qu'on ait de plus en plus de retours, qu'on ait que les retours soient de plus en plus précis, c'est toujours un moyen de s'améliorer, quoi. Donc, et c'est grâce à vous que je m'améliore toujours. Hein. Et d'ailleurs, je suis extrêmement heureux de voir le nombre de commentaires positifs que vous m'avez envoyés pour la vidéo annonce de Dragon Ball. J'ai rarement eu autant de commentaires, vous avez tous pris la peine de répondre et vraiment merci. Merci à chacun d'entre vous, c'est vraiment génial. Moi, ce dialogue, pour moi, il est extrêmement important. La chaîne, bon, je prends plaisir à jouer, mais je prends plaisir à jouer aussi parce que ça vous fait plaisir de regarder. C'est ça qui est génial. Donc, faut vraiment que ces retours soient vraiment... comment dire... constants. Que vous soyez toujours à m'envoyer des retours comme ça, c'est vraiment sympa. Moi, ça me soulage dans un sens, parce que ça me fait dire que je fais des choses bien. Et surtout, bah, ça, par exemple, là, par exemple, pour le coup, les partenaires, entre guillemets, que je vais avoir, bah, que ce soit GameSamet déjà, que je suis déjà en partenariat avec eux, ou ceux que je pourrais peut-être avoir par la suite, eux, ça les soulage de voir que j'ai une communauté qui, elle, n'hésite pas à parler et à répondre à mes questions, quoi. Donc ça, eux, ça doit les intéresser enfin, je sais pas comment dire. Ça doit vraiment les intéresser, tout simplement. D'avoir un retour sur ce que moi je fais, si c'est pour eux, vous voyez ce que je veux dire. Par exemple là pour la vidéo de Dragon Ball, je suis sûr que si j'ai un de mes managers, qui passe par la vidéo, par la chaîne, quand il va voir les retours, il va se dire bon bah voilà, ça marche, ça passe. Donc bon, donc voilà. Moi je suis toujours dans un état un petit peu végétatif dans ce jeu, mais alors là vraiment le petit côté vous êtes présent, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc voilà. Bon, tout c'est un petit trajet comme ça pour parler entre nous, chers amis, hein. Une discussion face à face presque. Bientôt, ce sera des discussions face à face, littéralement. Je ne vous verrai pas, mais vous me verrez, donc ce sera beaucoup plus simple. Il faudra que je prenne l'habitude de tourner la tête vers vous quand même. Tourner la tête ou la lever, je sais pas encore trop comment je mettrai la cam. Alors que je règle ce problème de setup, mais ça viendra. Une fois que j'ai la cam, moi je peux commencer à travailler sur le setup. C'est le truc. Si je dois monter un meuble, enfin un petit truc en bois pour le tenir, c'est pas un problème. Mais tout ce qui compte, c'est de réussir à avoir un setup qui soit propre. Faire quelque chose de sympa pour vous. Il y aura peut-être aussi d'autres vidéos qui arriveront, des reviews sur des bouquins. Parce que je lis beaucoup en dehors grâce au montage. J'ai beaucoup de temps en fait durant le montage pour faire autre chose. Mais ça me prend tous mes PC quoi. Enfin, moi je fais du montage sur mes deux PC en même temps, sur mon PC portable et mon PC bureau. Du coup, je gagne un petit peu de temps sur les 6 ou 7 vidéos que je tourne dans la journée. Mais. Ouais, ça me permet de m'amuser un petit peu en dehors. Donc, je ferai des vidéos là-dessus, je pense, sur des bouquins et aussi sur ce que je regarde en ce moment comme série, par exemple. Je vais essayer de rendre la chaîne un peu plus personnelle, vous voyez ce que je veux dire. Vous m'avez réclamé ça un petit peu, un peu plus de questions intimes, tout ça. Donc, du coup, je me dis que peut-être que si je rends la chaîne un peu plus personnelle, tout simplement. Vous aurez peut-être un peu plus d'intérêt, vous me verrez peut-être plus comme une personne que comme une simple vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois, là pour le coup je parle de plein de choses, mais n'hésitez pas à en parler directement dans les commentaires, à répondre à ce que je dis, ce que vous en pensez, je serais vraiment ravi d'avoir vos retours. Est-ce que ça vous plairait par exemple de savoir ce que je regarde comme série à côté? Est-ce que c'est pas un petit peu trop estimé que mes fans sont des fanboys? Est-ce que ça... enfin je sais pas, n'importe quoi. Ouh là là, m'envoie pas dans la station s'il te plaît, merci. Mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous intéresserait de savoir ce que je lis, ce que je regarde? Ce que j'aime comme série, même simplement, hein, les séries qui me font marrer tout le temps, n'importe quoi. Moi j'ai des séries, je les vénère, je les ai regardées 36 fois de suite. 3 saisons, 3 fois de suite, voilà, c'est pas grave. Moi je peux regarder 3 fois le même gag de cette série-là. Et à chaque fois, je me marrerai de plus en plus, quoi. C'est ça qui est débile. J'ai des séries qui sont complètement épiques, quoi. Alors moi, je me pisse dessus, quoi, limite, sur ces séries-là. Donc voilà, est-ce que ça pourrait être intéressant pour vous? Est-ce que ça, ce genre de contenu personnel, entre guillemets, ça vous intéresserait? C'est pour ça aussi que je cherche un petit peu des graphistes pour pouvoir faire des transitions, ce genre de choses, des transitions animées, que moi, je n'ai pas les qualités de le faire. Je n'ai pas le doigté artistique pour le faire, quoi. Mais bon, on trouvera, juste comme je le dis, la chaîne évolue et au fur et à mesure de ses évolutions, j'ai de plus en plus de soutien, soit de votre part ou d'autres personnes, d'autres groupes. Je pense aussi contacter d'autres youtubeurs, essayer de voir avec eux s'il y a moyen de faire des choses.
je pense pas forcément à des youtubeurs extrêmement connus, hein, mais plutôt des youtubeurs de mon calibre, entre guillemets, parce que c'est comme ça que ça marche. Hein. Mais on verra. On va rentrer dans le hangar, service de spatioport, on va vendre tout ça. On va dépasser les 100 millions, pardon. Hop. Ça, c'est vraiment cool. 100 millions de crédits sur le compte. Bon, une action à plusieurs milliards. Mais je m'en fous un petit peu. L'objectif, c'est vraiment de s'amuser. Hop. Voilà, on a dépassé les 100 millions, chers amis. GG à vous. Hop. Et on va atteindre maintenant notre deuxième destination. G3515. Hop. Voilà, qui est à 30 années-lumière, donc j'aurais pu y arriver en un seul saut, voilà. Hop, j'avais oublié qu'on avait un deuxième saut en fait, tout simplement. C'est pour ça que je me suis fait rentrer dans le hangar comme un abruti. Mais ce n'est pas grave. Il va falloir que je trouve un endroit où me mettre. Je pense que ce sera en haut à gauche sur cette série. Un vaisseau qui vous plairait aussi particulièrement à voir. Moi, je sais que les vaisseaux de l'Empire sont vraiment très jolis. Hein. Ah, mais c'est que j'ai pas un trop gros rang au niveau de l'Empire. Ok, hop, on bouge ça. Hop, par là. Je sais pas trop quel vaisseau je peux acheter. C'est vrai que sur le coup, moi j'aurais bien aimé avoir suffisamment, mais bon, j'ai ni le rang ni l'argent nécessaire pour acheter un Fédéral Corvette ou n'importe quoi. Du coup, pour l'instant, ce n'est pas viable. Mais ouais, je sais pas, est-ce qu'il y a des vaisseaux particuliers qui vous plairaient? Est-ce qu'il y a des vaisseaux qui vous intéresseraient de voir sur la chaîne, entre guillemets, que je puisse jouer avec, m'amuser en fait, vraiment dans le sens m'amuser. Par exemple, j'ai joué beaucoup avec l'Eagle au début, mais il y a l'Imperial Eagle qui est sorti maintenant. Est-ce que ça vous plairait de voir. Voir l'Imperial Eagle, je sais pas. À vous de me dire. N'hésitez pas à donner des retours sur ce que vous voyez. Si vous voulez me voir changer de vaisseau, je changerai de vaisseau. De toute façon, la chasse avec des petits vaisseaux de chasse, elle est prévue pour le retour donc dans la 2.2 grâce au fait de pouvoir rapatrier le vaisseau. Je vais rapatrier des vaisseaux sur ma position en fait, simplement. Sans doute autour de sol d'ailleurs, hein, pour être honnête avec vous. Mais bon, ça on verra le moment venu. L'objectif étant simplement de varier le gameplay. Il y aura aussi de l'exploration pure et dure, du tourisme si je peux avec certains vaisseaux, on verra. Pour le tourisme, je pense que je vais attendre un petit peu, quelques semaines, pour voir ce qui semble être le plus rentable, entre guillemets, pour les missions de tourisme. Mais ça, tout ça, encore une fois, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. On est à Yegorovring, qui est assez loin d'ailleurs. Ok, bon, c'est pas grave. Faut aller pas excessivement loin, tu me diras. Donc voilà, ouais, on va voir plein de choses. Cette série-là, va beaucoup changer. Vu qu'il y aura vraiment, disons, différents styles de gameplay qui vont arriver grâce à la possibilité de rapatrier les vaisseaux, encore une fois, je le répète, dans la 2.2. Ce qui me permet de pouvoir reprendre mon Eagle, même mon, mon Vulture, n'importe quoi. Mon T6 que j'ai aussi pour du commerce. On va reprendre plein de choses. On va essayer quitte à reprendre aussi, alors ça j'avais dit aussi dans quelques épisodes précédents. Reprendre un aspect explorer pour le fitter un peu plus exploration et récupération de composants, quitte à améliorer nos autres vaisseaux ensuite au niveau de l'ingénierie. Plein de choses, encore une fois. N'hésitez pas encore une fois aussi à le commenter sur ce sujet-là, sur ce que vous voulez voir, vraiment, que ce soit des choses nouvelles, des choses matérielles, entre guillemets, comme un nouveau vaisseau ou n'importe quoi, mais aussi du contenu particulier que vous souhaiteriez voir, du minage, même s'il faut. Bon, je n'en ai jamais véritablement trop fait, hein, ça m'a jamais véritablement intéressé. Mais si vous voulez en voir, j'en ferai. Si vous voulez voir de la chasse, j'en ferai. De l'exploration pure et dure, deux points d'intérêt, j'en ferai. C'est à vous de me dire ce que vous voulez voir, chers amis, tout simplement. Voilà. Le dialogue, ce sera véritablement primordial. Hop. Disons, quelle que soit la série, le dialogue est primordial entre vous et moi. Même si je vous amène pas directement dans les vidéos en ce moment, parce que bon bah voilà, comme j'ai dit, il faut que je récupère un rythme particulier avec les lives le week-end. Mais bon, on verra. Si j'arrive à trouver ce rythme et à simplement vous inviter dans les vidéos.
Grosso modo, j'arrive à avoir mon. Faudrait que j'arrive à avoir mon vendredi en fait. Si je peux avoir le vendredi, je peux me préparer pour le week-end, faire tous les montages, toutes les uploads en cours qui nécessitent d'être terminés, etc., etc. Ce qui veut dire qu'il faut que je tourne à peu près 6 vidéos par jour pendant le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi. Ce qui finalement, en fait, pour vous, ça peut peut-être pas sembler énorme, mais pour moi, en fait, c'est la charge de montage derrière qui est assez imposante, hein. Les gros jours, je peux terminer mon montage à 4h du matin. Sachant que je suis debout à. Enfin, ces jours-là, du coup, le lendemain matin, je suis debout à 9h, 9h30, quoi. Mais j'essaie d'être debout de plus en plus tôt pour essayer d'avoir des nuits correctes. Mais c'est compliqué. Mais c'est vrai, quand on tourne 6 vidéos de suite, d'ailleurs, on n'a pas forcément envie d'enchaîner directement avec le montage. Et c'est là qu'est le piège, en fait. C'est là qu'est le piège. Si je prends trop de temps pour regarder un épisode d'une série tranquillement ou n'importe quoi et que je fais rien entre temps, ou si j'essaie d'aller faire des courses, imaginons n'importe quoi débile, un truc que je veux pas, comme je laisse pas mes PC tourner sans moi, enfin en tout cas pas la tour tourner sans moi, ben je me retrouve rapidement submergé. Et c'est là qu'est le problème. Et du coup je perds du temps la nuit. Surtout qu'en plus plus la nuit avance, moins je suis efficace sur la vitesse d'action. Je sais que je mets plus de temps à préparer mes montages, etc. Je le sens, hein, ma fatigue sur la vitesse de la nuit, mais bon. C'est comme ça, enfin, sur la longueur de la nuit. Mais bon, c'est comme ça. Je ne me plains pas parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. J'ai de la chance. Alors. Warning, maintenance not accessible while engine is running. Oh. Est-ce que ça veut dire que ce panneau bouge? Ah, attendez, je vais entrer dans le hangar. Service de spatioport, on va faire ce qu'il faut. J'ai envie d'aller voir si ce panneau bouge. C'est rigolo ça. C'est sympa, c'est assez réaliste ce genre de message. RS 2.07. Même pas de livraison. Et nous sommes à 103 millions, chers amis, pour la fin de cet épisode et potentiellement le dernier épisode de la 2.1. Et bah écoutez, du coup, chers amis, on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, répondre à mes questions dans les commentaires. Sincèrement, ça compte. Ne pensez pas que votre petit message n'est pas lu. Même si je n'y réponds pas, tout simplement, je lis chacun de vos messages, tout simplement parce qu'ils arrivent dans ma boîte mail. Et que, bah, du coup, dès que j'ai un petit peu de temps, avant de lancer par exemple un épisode d'une série, n'importe quoi, je check sur mon application tous les messages que vous m'envoyez. Que ce soit les messages privés que vous m'envoyez ou les commentaires. Voilà. Encore une fois, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yoop!